Je crois qu'il est temps de tester les effets miroirs. Et on va prendre. Alors. Consommation 2. C'est quoi consommation 2? Bon, vas-y. On part en combat et. C'est quoi la base du truc? Mon 10, machin. Consommation. Diminue à chaque tour lorsque cette consommation tombe à 0, cette unité meurt. Re, je suis allé préparer à manger. Oui, pas cette heure-ci. Bon, pas si tu veux. Pas de soucis. Ah, c'est des trucs en cire. Attends, ils sont plus faibles que les stewards. Enfin, ils sont pas plus, maintenant plus forts. Pas coûte 0. Hein. Très curieux. Extinction, confère dissimulation 2 aux unités alliées. Ah oui, c'est ça. Dissimulation, c'est fort. Lueur, ouais, ok. Ah, du coup, ça combatte pas trop avec le soin, vu que eux, ils sont voués à disparaître. Destruction, on trouve 1 d'énergie pour chaque unité alliée morte lors de ce combat. C'est fort. Du coup, j'ai pas besoin d'énergie, en fait. J'envoie mes trucs qui se font détruire et je lance ça et j'ai plein d'énergie. Dans un combat long. Résolution, réforme 2 unités aléatoires et leur confère plus 5 en plus. Résolution se déclenche à la fin de la phase de combat, ouais. Renvoie une unité alliée vaincue dans votre main et lui confère. Et consommation 1. Ces changements persistent tout au long du combat. D'accord, c'est grand, j'en suis une unité meurt à ce niveau. Ah, je pense que c'est pas mal ça. Début du combat, invoque 4 unités, non. On va prendre ça. Eh, je pense que ça peut être marrant. À voir comment on peut mettre ça en place, mais. Donc, je prends ça. Je prends ça. Ça va pas du tout être le soin, mais je comprends le délire. Là, j'aime beaucoup. Mais je veux mourir. D'accord, ça va pas du tout ensemble les deux decks, mais d'accord, je comprends. 115 PV qu'on fait consommation à une unité alliée. Destruction, les unités alliées affectées par consommation gagnent consommation 5.
Consommation 3. Vengeance. Les unités alliées affectées par consommation gagnent plus consommation 1. Oh, ça a l'air d'être marrant, cette histoire de... de personnages en cire. Et du coup, faut pas les améliorer, parce que... Ah, animus volonté. Des sorts, j'en ai pas beaucoup, on est d'accord. Hein. C'est très curieux. Ouais, vas-y, épine, je m'en fous, vu que mes ennemis, enfin mes gars, ils se... Ouais, mais non, je suis con. C'est juste pour ce tour. Je pensais que ça, c'était pour chaque tour, mais en fait, c'est juste pour le tour en question. Descendre d'une unité, inflige étourdi. Ouais, non, c'est nul, j'aime pas ça. C'est particulier, hein. C'est particulier, ça compte pas du coup le soin, mais bon, vas-y. Je me répète, hein. Je dis 50 fois la même chose, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Plus 1 à chaque niveau, ok, plus 3 à un niveau aléatoire, moins 1 à chaque niveau, plus 15 de puissance magique. Le marteau, simple et efficace, c'est un peu comme une relique de boss. Récolte plus 3 et plus 3 se mélange lorsqu'une unité meurt à ce niveau. Récolte 3-5 d'argent. Prendre le mec qui devient plus fort. Hop, brasé plus 40 PV. Parfait, simple et efficace aussi.
Il est pas mort. Ah, steward en consommation. Il y a moyen de faire un gros, une grosse brute avec le mec là devant là. Ah. Et alors qu'on réforme, alors réformation. Ah oui, il est super fort, mais la consommation pour bon. Prendre ça. Quand même prendre un héros éternel parce que. C'est un peu la base de. Ils gagnent tout leur PV en montant. Non. Non, on peut pas les tuer d'un coup. Pour l'instant ça va, là. Faire ça. Il
Hop. Toi. Ouais, on va mourir. Ah merde! Voilà, il a... Je crois à mon goût, là. Yes! Réforme, unité, lui confère 10 de plus. Ouais. Destruction, confère infinité à une unité. Non, on est vrai, justement. Ah, pour le coup. On va prendre les enracinés aussi. Ce serait bien qu'on vire les stewards. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ah. À la fin de la partie qu'on va jouer. Ah ouais, c'est l'usage unique et après un fiche de dégâts, une élimination, ça fait 50 de dégâts. C'est un sort. C'est un sort qu'on pourrait renforcer et on gagnerait plein d'argent. Furtif mais rusé. Parfait. D'habitude on prenait la relique. Et là je me dis que gagner de l'argent en fait c'est pas si dégueulasse. On a un marchand de magie. Et on aimerait bien, voilà, augmenter. Est-ce qu'on peut faire doubler l'effet? Non. Voilà. Ça sort à 22, ça nous rapporte 50. On frappe multiple. Yeah. Donc comme on joue sur vachement d'unités qui vont tanker, pourquoi pas, mais qui réussissent, pourquoi pas. Mais... Ah.
Ah. Je m'attendais pas à ça. Mais je peux le réutiliser plusieurs fois, putain, mais je gagne énormément de sous avec ça en gros. Ça va. Enfin, ça va, je dis ça, mais j'ai pris cher. L'épine inflige plus un dégât par cumul. Ouais, j'ai 2-3 trucs qui donnent de l'épine, pourquoi pas. Destruction réforme 2 unités aléatoires. Affinité. Piocher, extinction. Piocher une carte. Cette dissimulation 2. Aux deux unités, aux unités alliées. Oh, ça c'est fort ça. Oh, ça c'est bien balèze ça. Ouais, il y a moyen de faire des trucs avec ce deck. Hein. Ouais, je vais aller là parce que mon brassier il a pris tellement cher que. On est prêt contre lui. On va faire une grosse défense au début là. Ah, personne n'est mort pour l'instant.
Ça passe un peu trop facilement au goût, mais... Le poste il va arriver. Ah, je viens de comprendre ton titre. Ah ouais, bah oui, on joue aux cartes, donc on tape le carton quoi. C'est la merde, mon ami. Ouais, bravo, je suis venu ce jour-là avec des immenses cartes de Tomb Raider. Ah, c'est vrai qu'on était sur Tomb Raider la première fois que t'étais venu. Pas forcément... Ça ne change rien. Ça change absolument rien, je vais mourir. Bon, ça va être compliqué. Je le cache pas. D'accord. Bon, ça c'est con parce qu'on avait beaucoup de bonnes reliques. Mais alors du coup, le soin ne compote pas du tout avec les hommes de cire. Ah, Tomb Raider 2, précisément dans l'hangar à bateau. T'étais sûr, c'est Tomb Raider 2, t'es arrivé? D'accord. L'amoncelant perce armure, affiche un éliminé, élimination augmente les dégâts de 3 de façon permanente. C'est pas mal ça. Lorsque vous jouez une unité, le coût d'une carte en main aléatoire tombe à 0. Jusqu'à être joué ou défaussé. C'est vraiment sympa ça aussi.